ngambo oyo kongwe linga kate osio bandi lisusu polo polo kanga kamote mata mokolo moko olingi kaka sebo mengo ya kongo oko kufa polo 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 tika 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 koka bola kongo likambo oyo Sonia ya bawande oko sambo apolo Polo, polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba Oko simba touche C'est à la rater à traiter, hein? On en a marre. Polo, polo, liki, konyo, kola, kaka, este. Boi, baka, bomingo, yaba, kukole. Boka, bora, kayango, gena, midele. Polo, ye, biboni, bawela, bomingo, koko. Polo, ye, baba, susu, bako, tabele. Avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait est pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser.
et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jamesociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, bo mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances, nazanga esika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimfundu, leki ya maman na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est 15 000 dollars, mais bah y a plus de place pour moi que pas cher. Bon, y a le bagini. C'est le permis. Moi, ils aiment que n'importe quoi c'est le misat. Moi, je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu, oncle Chimfundu. Y a le bagini. 2005. Mouké, ils aiment que. Non, on veut tout matin. Nazongi qui ça ça? Ndako e muna nate. Ata terre ya pamba na muna te. Noko Chimfundu abelinga imo. Alors tango kanda e matinga ipene na kangisa Noko Chimfundu. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de 300 dollars par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Komi propriétaire. Ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bisonios Fongola Namaboko, Bang Konolupa. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, comme tous les jours, comme tous les lundis. Aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023, nous sommes de retour chez vous. Lelo Nakatia, programme Nabiso HK Today Magazine, pour nous partager les sources d'informations essentielles de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons parler de tout ce qui s'est passé autour de nous. Mais sujet oyo peut-être Bokolanda Lelo, vous l'avez constaté peut-être na affiche Nabiso, affiche Nabiso oyo tolobi. Dieu merci, nous avons failli rater des élections en décembre 2023. Alors, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Quand nous disons nous avons failli, ah, Tobiki. C'est-à-dire que l'élection est causée en décembre, mais voici, et l'autre est causée à la crise à la tête. Donc, tu as raté Tobiki de justesse. Lélo, je vais vous amener dans des révélations, mais et ça, la motopacité. Nakatawa, tu as trois bilongi. Tu as trois bilongi. Alors, bilongi, on a mis ça, c'est trois problèmes différents et trois révélations différentes. Alors, chers amis, je pense que, bon, mais ça n'a pas servi sa confiance. Merci pour la confiance. Merci pour la nuance pour ça, la cabisso. C'est notamment par abonnement Nabino. C'est notamment par like Nabino. On a 5 à la munition. Bon, peut-être qu'on a une munition. Est-ce que nous sommes déjà 2000? Est-ce que munition est ça? Tout banana, moi, munition. Comme ça, tout. Parce que l'émission, ils ont incriminé trois personnes. Moïse Katumbi Tchapwe, Monseigneur Ambongo, et Paul Kagame, balingakate, biloko a bien le cas. Ah, comment on a boye? Tous les Rwandais pro Kagame baza. Ba chargé ba combo, ils commentent, ils insultent les gens et ils font ça sur l'émission. Mais biso le kola toza e belé, to sala ça, c'est en bas de l'émission. To sala boye, comme ça to kunda bango. C'est la moindre des choses, oh, to kiko sala. Parce qu'il s'agit de la défense de la République, blague ezate, montoroyo ke la mawa awa, azate. Je suis allé vous chercher des informations. Alors, merci beaucoup infiniment pour ça. Merci aussi d'Abandeko yo, Bazo Sungabiso, pour la makambo na biso, il y a élection.
Donc, pour Nabandeko Bazo Landabiso, nous avons intitulé cette émission comme ça, mais pour Nabandeko Oyo, Lingi ko soutenir Biso. Je le répète dans chaque émission, puisqu'on n'a pas de temps. Et j'ai du mal à vous annoncer que Batunan Bakoki a ta dissité. Oya ke honoré, yangaï moi, t-shirt yango anazwa. Oui, c'est vrai, on a reçu des promesses, mais on attend les promesses et Zouata Moulaïté. Et si vous avez la possibilité de les faire, faites-le. Je vous en prie. Pona bande rognon soy bakana, depuis 2 ans, honoré, Rosalane, Tchamoto, Yangayo, Tchamoto. Mais, mawa que, on n'a pas dit personne, depuis Nabandi qui a annoncé Makambo, Oyezak, Yangay, Yango, T-shirt, Nangayango, Oko, Kendenango, ça peut t'aider. Et ça fait mal. Mais est-ce qu'on a continué avec le bango chaque jour? Puisque les Arali Kamoro, le bimba, la moko, boum, a vu une décision, au Talibo Masolo peut échanger dans les 2 jours, 3 jours qui suivent. Mais là, c'est déjà une semaine, j'ai moins de 10 personnes. Oh, il y en a moni pensa de manière concrète. Ngaï, t-shirt, nanami, bali, angoyo, t-shirt, misat, angoyo. Donc, tosungana, bosungabison, anzelawana, je vous serai toujours reconnaissant comme toujours. Merci beaucoup. Alors, pas autre chose à dire, tous les cas, dans ma information de manière un peu rapide. Information d'abord, information d'abisso. Nalinga kina sunga bandeko ya DV Loterie. Le département d'État vient de donner des précisions. Makambo Itali DV Loterie. D'abord, koyo bako bandeko bazwaki na 2023 et que bazui visate. Donc 2023 bazwaki na 2022. Et c'est quand on voit qu'il y a 37 personnes gagnantes. Ah ouais, et pas Nabiso. 2023, on est là qui 83. Et année où il a dit, nous sommes à notre 4e expérience maintenant. Alors, et dans le bateau, on voit qu'il y a avant, le département d'État vient de publier quelque chose. On a dit qu'il y a un peu, puisque vous êtes souvent aussi sur cette chaîne pour que vous ayez des informations concernant la loterie. Alors, est-ce qu'ils peuvent accepter que je vous partage ces documents qu'ils ont publiés et je vous donne la signification, l'essence exacte de ce qu'ils ont dit. J'essaie un peu de... Apparemment, Balingite, na... Oh là là, donc c'est un peu impossible. Bon, en fait, c'est ça. Je vais essayer. On dirait Balingite n'a partagé document à Bango. On dirait Balingite. Ce qui est maintenant, peut-être, il y a bien Yarosala Isaac. Non, c'est impossible de partager ça. J'ai essayé dans tous les sens. Les os simbakate. Bon. Je vais vous expliquer. Balobi Boyo. En attendant, na zongela dossier en haut. Balobi. Un moment. On dirait Herman Coupé, ordinateur, les OAKPE, bah, problème. Mais. Bon, Barolong a bisoté puisque nous sommes maintenant tout au sota. Dossier Yao, machine est redémarrée. Oh, Tozangi, ceci, Tosu Torata. Je sais qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas problèmes. Il y a documents, mais d'autres, il y a problèmes et machines. Parfois, il y a des gens qui nous attaquent dans ce sens-là. Mais, comme ça, il y a aussi un peu donc, Tosu Torata, contourner, puisque Nazar, ce que je blende, avec les têtes congolaises. La RDC a des têtes en matière de cybercriminalité, na informatique. Donc, Nazar Kalichus, il y a un peu de temps, mais Bino est fort, appui na Bino est très bon. Alors, département d'État, Balobi Boy. Balobi, sur les gens, Oyo, Bazui, Bazoua qui na 2023, ou Bazoua visa na Bango na 2023, Oyo, et Izana Bamoussous, Bazui visate, même s'il était sélectionné. Et il y a beaucoup de cas pareils na RDC. Il y avait eu une confusion ici, tantôt Balan de la Makambu. Trump a tika ki tantôt bazwa o yasika Joe Biden a andimi et il y a eu des confusions dans cette confusion bat mususu selon ordre ya ba visa ba pesa ki bangote ils ont sélectionné une bonne partie et les autres baloba ki trop pesa te donc c'est à dire que ermoko yezaka ceux qui osa sélectionné ce n'est pas nécessairement que osu visa mbala moko comme maintenant là ils ont rejeté d'autres personnes.
Alors, c'est sur base, il y a Makambo Ibele, il y a la guerre en Ukraine, bah, remplacer Makamoussous par des réfugiés, par des gens qui devraient être utilisés. Bah, même à Bangoa, donc, écoute-moi, confusion. Wana année passée. Mais na année Oyo, va confirmer que le programme est normal et va continuer. Bah, tu n'y as pas visaté. Oh, bah, pas si bah, visaté en ambassade. Mais Bazala qui sélectionné en 2023, on vous invite à appliquer encore cette année. Appliquer encore cette année et peut-être vous serez délibéré pour l'année prochaine. Mais là, je ne souhaite pas dire des choses. Oyo, bah, on va l'obiter. Mais bah, encourager Batouana, bah, l'obiter tout celui qui était sélectionné et qui a joué visaté à appliquer les sous-sous année Oyo. Année Oyo, ça commence le 4 octobre. Le département d'État vient de tout publier. Le 4 octobre, moi j'avais annoncé les 6, mais bah rectifié, bah lobby les 4. Ça commence le 4 octobre. Alors le 4 octobre, ça c'est ce qu'ils viennent de publier encore ce matin. On commence, mais ça déjà très facile. Donc nous avons depuis un mois, nous avons commencé à recevoir les dossiers. Il y a Bandeko Baza intéressé, qui ont envoyé des photos, on a travaillé, des identités, on a complété, tout est en ordre. Les quatre, c'est dans quelques jours, on commence à appliquer pour vous. Et nous encourageons, moi personnellement, j'encourage aussi les étudiants qui sont ici, qui sont venus avec les visas, il y a des étudiants, s'il vous plaît, contactez notre bureau, nous devons appliquer pour vous aussi. C'est très important. Et pour les restes, si vous êtes intéressés à faire partie de ce programme, ce n'est pas, on n'oblige pas tout le monde de le faire. Ce qu'on a intéressé, c'est pourquoi on a un numéro Autolobby, envoie seulement un petit message na ce numéro 206, non, plus 1 206 330 84 00 au commis, je suis intéressé, tout simplement. Je pense que ça va bien être quelque chose de bien pour vous. Alors, chers amis, commençons l'émission. Sans plus tarder. Sans plus tarder, match Betamakina, match Betamakina, la RDC, RDC contre le Soudan ou le Sud-Soudan, je ne sais pas. Alors, match Arizalaki, match a bien puisque les Congolais tout gagnaki, bah Congolais tout se retrouva qui n'a à terrain et les premiers supporters il y a Léopard Bazalaki wana. Il s'agit du président Félix Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Bazalaki wana na terrain na kola Xabino Bango. J'ai quelque chose à signaler là-dessus. C'est pourquoi j'aborde ce sujet. Alors, je vous montre que ils étaient là. La RDC a gagné, je crois, 2-0. 2-0. Ils étaient là. Ici, vous pouvez voir sur cette photo, Eza, l'ERSCO RDC a gagné. Les chefs de l'État étaient dans la joie. Étaient dans la joie. Yakoyama, la première dame, comme tout le monde. Et puis, elle est qui dans une ambiance pendaya par Congolais de père et de mère. Mais cette photo est accompagnée par une image. L'air baba petit nyonso bazalaki pembeni na star balobité. Oh, est grande fête. Papa pesa maman bisou. C'était ça ce que les Congolais ont dit. Papa pesa maman bisou puisque ça c'est une grande fête pour nous. Alors papa pe ayoki ndenge ba Congolais balobi. Maman zwa bisou te azu bisou. Nazo ebate. Alors, papa a pressé maman. Tous les sades. Balobi, papa a pressé maman. Bisous, c'est pas les abissos. Et du coup, Fati a pressé maman. Bisous. Et Bimi, match et Bimi, et Sili, Fati a solo lina ba joueur. Il leur a dit vraiment de bonnes choses. Fati s'est retrouvé dans mon akin. Parce que Fatih Sobotali, ba image naye, elle m'a dit que la biso, a bien, tout ça, y a na classe, tout ça, qui va na mike, tout ça, qui va. Fatih a yé, a yé, kosolola na ba joueur, dans la joie, a yé, si bango ke, botala ki déjà na tableau, que match tout pour gagner, voici ce que vous pouvez gagner.
Ça, c'est Fatih qui leur dit. Et après, Ayeko Ibn Sabango Alobi, en dehors de tous ces cadeaux, moi, j'ai mon cadeau personnel, cadeau présidentiel. Il a dit dans cette courte vidéo, je pense que vous pouvez suivre ça et je reviens à vous. Écoutez, les gars. Faites quoi ici ? Bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos crimes, n'est-ce pas ? En cas de qualification. Ben moi, je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Alors maintenant, restons concentrés pour la suite. Il y a la Coupe d'Afrique. On doit faire honneur à la République. Vous avez une très très belle équipe. Elle est très séduisante dans le jeu. Il n'y a pas d'hésitation, c'est fluide, tout roule. Et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique. Et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. C'est parti, Besto. Voilà, là, les chefs rassurent. Naba Petit, Naye, Abandi, Nabango, Alobi. Les gars, regardez donc. Azoso, là, Naba Jouet, le Kola Bama Sanaye. Moi, j'aime bien ça. Mais cette cérémonie n'a pas été vue de cette manière par les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et semble-t-il, c'est un scandale que comment le président de la République, pendant que le pays est en guerre, il peut se réjouir dans des nouanas, il peut faire un bisou à sa femme devant toute la planète. C'est un président encore... quel est le terme utilisé par les katumbistes ici? Alors, chers amis, allez-y sur les comptes Twitter. Depuis Lobby, compte Twitter est chauffé. Il y en a qui pensent que le président de la République ne peut pas faire ça en public. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bisou à sa femme. Il y en a qui pensent que le président de la République ne peut pas faire ça pendant que les gens meurent à l'Est. Il ne peut pas se réjouir comme ça. Donc, Bazozo, président, Bazouye, dans mon photo, il y a président ukrainien, Azan a tenu. Mais, Balobi, pendant que l'autre fait les bijoux chez sa femme, celui-ci est sur terrain dans les combats. Chers amis, qui soutiennent cette thèse que le président de la République a commis un péché? Ce sont les FAKA, les Fayulo, Kabilo, Katumbistes, les trois là. Alors, nous, de notre côté, Tomonique, ça, c'est une manipulation qui n'a rien à voir. Puisque comment est-ce que nous, les Congolais, Toko, c'est un problème essentiel. Toko, il y a un niveau, on peut condamner, arrêter un président de la République pour le fait de faire un bisou à sa femme pendant qu'il y a des problèmes dans le pays. Et là, la religion, FAKA. Et maintenant, moi, je vous pose la question. Lui, quand même, toujours mon place, toi, Zokende, l'élo, population, va s'engi, papa, pèsa, maman, bisous, et puis à Salian. Est-ce que vous pouvez me montrer une courte vidéo? Vous trois là, FAKA, Fayulo, Kabilo, Katumiste. Même une photo. Martin Fayulo, Azo, Sala, bisous, na, moi, Sinaïe, en public. Batamoulak, je sais que Bazalak. Mais est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce que vous avez une photo? Bon, si oui, peut-être moi je ne l'ai pas vu, je peux accepter. Ce n'est pas un tabou. Si Martin Fayulu le fait, il n'a pas commis un péché. Parce que dit ça à Moussousou, et ça n'a pas Moussousou depuis Tokanga, Bissara, Touti, Touti, Nadikotanga village, mais Touti vraiment Nazamba. Tu dis qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire chez nous, dans la forêt, mais dans la ville où le président Tshisekedi et d'autres présidents à travers le monde vivent, ce genre de choses sont normales. Est-ce que vous pouvez me montrer une photo? Joseph Kabila fait un bisou à sa femme. Toza en famille, Toza solo.
moto a sélecté, ils ont un problème. Est-ce que je peux voir une courte une photo, juste une photo? Joseph Kabila fait un bisou à sa femme. Je pense que c'est impossible. Est-ce que Tokozo Moïse Katumbi fait un bisou à sa femme pour nous confirmer aussi? Chers amis, ne diabolisons pas ce qui n'est pas nécessaire na minito par rapport à la situation en Bokanabisoza. Mais parce que j'ai écouté les débats tous les matins depuis hier et aujourd'hui, bon, il faut tout fouiller. N'a rien qu'au fouiller. La personne ici sur la photo, c'est le président ukrainien. Il y a de cela 3 mois. Il était dans une fête. Pendant que ça chauffait, les Ukrainiens basokima. Vous pouvez aller sur les journaux, vous pouvez me voir sur les journaux Le Monde, quelque chose comme ça. Je ne souhaite pas partager tout ici. Mais c'est un président, ça chauffe chez lui. Il n'y a pas ni courant, ni maille, ni internet. Bah, tout bazar au palangana. Yéna moi, clique na yé, il fait aussi. Est-ce que vous avez suivi les Ukrainiens, les traités des juisseurs, ces messieurs? Laissons celui-là. Revenons dans les pays où nous sommes, où je vous présente cette émission pour l'instant. La personne sur l'écran ici, c'était un président en fonction. Regardez, il s'agit de... Si réellement tu sais ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des gens qui disent vous défendez l'indéfendable. D'accord. Mais je souhaite vous amener sur les faits. Ici, il s'agit de Barack Obama et sa famille. Jour, il y a investiture naïe, toutes les caméras sur lui. Non, ici, Bazaki n'a fait. Alors, je souhaite m'arrêter par là. J'ai beaucoup d'images pour montrer que tous les amis, vous les amis Faka, qui voulaient détourner la population vers des choses qui n'ont aucune importance. Barack Obama, président de la République, dans une grande cérémonie officielle, Bavanina vice-président Naye, et voilà. Et voilà tout ce qui est. Or, ce sont les enfants. Papa, salayango, nan, nazuite, azui. Ozuite, bandela, nazui. Pendant ce temps, on tuait les Américains, les soldats américains, dans le Moyen-Orient. Presque, on comptait. Chaque jour, il y a des cercueils qui viennent avec les soldats. La guerre partout. La question. Donc, les États-Unis, tous des problèmes. Chômage, ils ont mis à côté, problème, il y a sécurité, nakati. Problème, ils ont été bêlés pendant. Que Obama était en train de faire ça. Est-il un jouisseur? Bon, vous voulez que je vous montre une troisième vidéo? Bon, enfin. Ou une quatrième vidéo pour montrer que les amis, vous êtes à côté, il faut chercher un autre moyen de détruire la personne. Nous, on ne va pas vraiment vous donner la chance de manipuler les gens comme ça. Et tout le monde dit, pourquoi ça l'ango? Tu sais pourquoi ça l'ango? C'est pas un péché, chers amis. Et regardez hier, donc, c'est la semaine passée. Harris Kamara, maybe que les jours où Félix Tshisekedi, na Denise Nyakero Tshisekedi, bon, je les appelle comme ça, mais ce sont des personnalités importantes qui méritent du respect. Les jours où ils vont se déchaîner comme ça en public, je sais que la RDC... Alors, là, vous avez la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Est-ce que... Parce que moi, je sais comment je peux détruire tout ce monde ici qui veulent utiliser leurs médias pour désorienter, détourner l'attention des Congolais vers l'essentiel. L'essentiel, Tozanango, ici, je m'adresse essentiellement aux katumbistes. L'essentiel, le pays est agressé. Nous tentons d'une part Tomekakumata sur le plan de l'économie du pays, mais de l'autre part, nous sommes coincés
Mbongo tout, il faut qu'il y ait une guerre. Nous sommes attaqués par un voisin qui s'appelle le Rwanda. Dites ça aux Congolais, nous allons adhérer à votre plan macabre. Mais moi, je n'adhérerai pas. C'est clair. Alors, je pense qu'on laisse tomber ce dossier-là. Ça n'a rien à voir. Et je pense que tous les bruits autour de Bizu à Fatshi, je pense que ça enterrait. Et je risque d'enterrer même ça à 10 mètres de fond. Mais je vois que c'est... Puisqu'il y a même des personnes responsables qui ont publié ça. Qui ont publié ça. Pendant qu'à l'Est, les gens meurent, vous réjouissez au stade, et le Congo n'a pas de chance. Et le Congo a de chance pour une personne comme Moïse Katumbi. Alors, c'est triste. Il faut dire ça peut-être dans Bato, Baye Binoté. Alors, mais une chose est vraie, je vais faire une émission demain sur la situation de John Numbi. John Numbi, Toyoki, moi, Basson et Tamboli, Tamboli, Awa. D'abord, il y a Liboso. Dans ces sons, nous sommes dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Moi, j'attends d'abord que peut-être les services spécialisés nous confirment qu'il s'agit de John Numbi, puisque Tolembi, bah, spéculation, Tolembi, bah, rumeur, Tolembi, bah, montage, il y a, bah, neti, oh, y'en a, zomon, il y a toujours, chers amis, il faut appeler les chats par son nom. Tolembi, montage, ouan. Alors, la semaine prochaine, nous avons des éléments nouveaux. Bon, au courant de cette semaine, peut-être, lobby, Tolobi, moussous. Tokomekako, lobe, la dossier, naïe. Total, dans quel contexte, dans quelles circonstances, Al-Salaki Basson a Yewana, et qu'est-ce qu'il prévoit? S'il prévoit la guerre, par où il sortira, puisque nous avons des éléments nouveaux. Alors, mais c'est une occasion pour nous, Tobet Amasolo Nabiso, il y a comment nous avons frôlé, raté les élections en décembre. Puisque nous parlons de Moïse Katumbi qui est aujourd'hui na cœur et à situation, Moïse Katumbi a fait un déplacement na Équateur. Bon, bozapé na posa boyeba, qu'est-ce qui s'est passé à l'Équateur? Moïse Katumbi a sali mpiaka yako saranate na Équateur. Donc a sali waze quoi, c'est comme ça qu'on dit na mikolo. A sali vrai waze quoi na katia Équateur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y avait pas de mobilisation? Puisque je sais que les responsables à Équateur, c'est les papas de notre cher Christian Bossembe, ils devraient être mobilisés. Bon, on écoute, on n'a pas la mobilisation pour montrer. Je crois qu'on a évité sur la bête la gribine du solo. Tous les dirigeants, tellement que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils se sont à un moment donné, ils se sont retrouvés en désaccord. Depuis que Jean-Pierre Bemba a mis Pessi ko Pessa Maboko na président Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi a tala ka Jean-Pierre Bemba na lisu ya sima. Ya boite tout droit na lisu ya sima. Alors Moïse Katumbi psiko opona ko silisa ko kangisa Jean-Pierre Bemba bouche que accueilli peut-être dans les camps de pas de champions, dans les camps de ya échec. Moïse Katumbi a longué donc Lubumbashi a tché carte na en Équateur. D'après bato l'herbe programmé voyage na yé na Équateur, ils ont annoncé que le voyage à l'Équateur, ce n'est pas pour installer seulement les partis. Puisque après Katanga, je pense qu'il fallait qu'il termine d'abord Katanga. Il commence par les voisins de Katanga. C'est peut-être Nord-Kivu, Ituri peut-être Maniema peut-être, donc, et puis Aye Komata, qui a commis à l'Équateur. De Lubumbashi à l'Équateur. Quand je pose la question, on me dit non. Il veut montrer à Jean-Pierre Bemba que il a commis une erreur de suivre Tshisekedi. L'Équateur lui appartient. Ce n'est pas à Jean-Pierre Bemba, c'est à Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, c'est une manière de donner une leçon que l'Équateur appartient à Moïse Katumbi et non à Jean-Pierre Bemba, d'après ma conception, Moussous Tozaranao. C'est le bien, ok, Moïse Katumbi Kende. Regardez, Moïse Katumbi est en train de tenir des discours. Voici, il est à l'Équateur dans cette vidéo et je reviens à vous.
Les avantages étaient. Les avantages étaient. Voici la leçon que Moïse Katumbi a donnée à Jean-Pierre Bemba à l'Équateur. Wana Moïse a la parole. Vous savez que biso to étudiaka ba image sur base ya to yebitan parce que to lingite kokwe na ba manipulation total akatani ni image bazuyango et tanini to ye kolobela tanini ou sat ernini mokolo mitinga ye soki botali na nini oyo les gens peuvent dire que non nana miye la kite o ezaba to na terrain bazo sala. Bazo sala animation, non. Moïse Katoum, c'est lui qui parle là. Est-ce que Bozana Misala en Équateur? C'est lui. Nalobakina Bandana Équateur, c'est lui. Il est là, il est. Il prend la parole et c'est en temps réel. Et le terrain ici, Atabatubasala Rateatri, Bakosala nombreuse. Est-ce que maintenant, Moïse Katoum, tu as les. Maintenant, je reviens sur les comptes Twitter. Est-ce que Moïse Katumbi, tu as donné la leçon à Jean-Pierre Bemba ou c'est Jean-Pierre Bemba qui t'a donné maintenant la leçon? Une question qui mérite une réponse. Motuna izana ngulisa cité, tous à la cool, tous peut se rappeler ma réponse. Alors, entre cette image ici, Oyo Bokanaki, j'ai publié ça sur un compte à Moutoua Salakam. Nalobi, entre maintenant cette image, l'Équateur Mobimba, Yewana, entre Moïse Katumbi, oui, Azaï Kokan a appelé sa leçon à Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, qui était calme dans son coin, qui des deux a donné une leçon à l'autre? Et c'est quand on sait là-bas, analyse bien, Yangwana. Donc, je pense que Moïse Katumbi devrait revoir ses calculs. Il devrait revoir ses calculs. Et n'a yébité sur Arozong et la Lissous Équateur, à ça la Lissous campagne. Même si Azaï Kokan va tout que non, et ça. Campagne était et redynamisation il y a parti. Si l'Issa a cassé toute la République pendant ces temps, bongo 4 ans, on sera là qui était pour nous. Tous les Moïse Katumbi, donc, au PC leçon, na Jean-Pierre Bemba, na Équateur, puisque Bissot Okansaki, terrain au Nyons, il fallait être à la Rouinda. Malgré Bongo et Tamboli. Malgré ma délégation, puisque ma vieille Ndundu, ma Zawana, tous les dinosaures, wana. Amemi, ba tout à l'Équateur, que ba yindi sa terrain, ba tout na Kinshasa, ba banga, attention, Équateur, Ezaya Moïse Katumbi, mais voici les résultats. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on recommande les sous-titres dans la campagne, quand on a terrain, où on peut tenir le meeting, ou quand on a kende, qu'on peut se laisser à Jean-Pierre Bemba, puisque c'est lui qui était nommément cité ici. Bon, bonne chance. Tose après l'Équateur, peut-être Bandundu. Après Bandundu, Congo central. Botika Moïse Katumbi a sa la campagne. Là. Après Congo central, je pense que wana il faut qu'il y ait un grand Kasai, redynamisation. Aussi ici, aux Zongi Équateur, au Bandasuko au programme et à campagne électorale. La justice, oui, nous, Bozan, Mboko, Yote, Bozota, la Makambouana. Que Moïse Katumbi est en train. A commencé déjà la campagne avant la campagne. Puisque les affiches, Ezayaye. Message, Ezayaye. Quel est le parti qui va vous aider? Quelle est autre différence à côté là que Oeza campagne, Oeza redynamisation? Justice Bozate. Justice Bozate. Bon, Église catholique, ce qui te lobby. Et quand on a le discours, il y a haine contre un individu. Il faut tout sungana. Toi, bah que. Soit aux autres ce que vous voulez que basse la yo. Yo peso que yelio ou soit moutou ya pouvoir abandir déjà Ndengwana et que vous avez le problème. Il fallait que ma secrétaire général bakende ko installé. Il y a même de personnes responsables, il y a installation, il y a parti, tout ça. Tout le monde a Kabundi, Kabuya, Augustin Kabuya.
mon aboutre que je salue aussi en passant. Akendaraye Moko, tout le monde a rappelé le secrétaire général Moussous Bakenda. Ici, c'est lui. Il commence les discours. Le gouvernement vous a abandonné. C'est le parti ici qui vous sera à commémorer le bino, tout ce qu'il y a comme manne du ciel. Non, on n'a pas dit campagne. Il y a un problème. Alors, chers amis, parlons de l'essentiel. Mais, Monseigneur Ambongo, yo conseiller spirituel. N'a ben yo trois fois. Monseigneur Ambongo. Monseigneur Ambongo. Katumbiye a bandit déjà campagne. Est-ce qu'à cause de Lubumbashi, il continue. Mais yo mo azui na Équateur, n'a habité sur la Kozonga, Équateur, ou pour la campagne. A sa bétango d'une pierre deux coups. Alors, chers amis, les problèmes qu'il y a ici, tu remets à Masolouana prochainement, mais les dossiers au Nazo Betelabino Isaac, nous avons failli rater les élections en décembre ici. Pour la RDC, élection en Yoga Kosimbate. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y a une équipe de l'Occident. Bon, peut-être El Moro Moussous Bozoarbolobi. Ah oui, Azo Betanaï Masoloka Ponaro. Olexatan ya émission. Jamais. Si je n'ai pas quelque chose à vous dire ici, El Moro Bomonaka, si je n'ai pas le temps ou je n'ai pas des choses à vous dire, El Moro Bomonaka n'a annoncé qu'il n'y aura pas émission de l'eau. Mais en tant que journaliste, les informations sont tellement nombreuses que chaque jour, je dois être là pour vous aider à Kolongo Labilo, à l'Okutanyon Sonamitu, pour l'attendre à l'information plus ou moins crédible. Élection annoncée en RDC pour les camps de l'opposition, les camps du pouvoir, c'était un combat pour respecter la Constitution. Et surtout qu'à la tête du pays, nous en avons un démocrate qui se réclame et qui s'est réclamé de la famille démocrate, papa na maman démocrate, yepe bangoto babotami dans la démocratie, et ils ont démocratiquement évolué dans toutes les activités, tout est démocratique. Félix Tshisekedi avait tenu sa promesse que je respecterai la Constitution en organisant des élections dans les temps essentiels. Dans les temps constitutionnels. Mais, d'abord, tout commence par les FCC. Qui attendait voir Félix Tshisekedi n'est pas d'abord terminé son mandat. Ce n'est pas comme un balobi. Oh, ça la moutou Azorba a co-organisé des élections. Est-ce que tu vas terminer le mandat d'abord, toi? Est-ce que tu vas terminer le mandat? On attendait après 2 ou 3 ans. Voir Tshisekedi dire, je suis fatigué. Assoyons-nous quelque part, trouvons une solution et avançons. Abandonner, bloquer nos finances, nos sécurité, tout. Il fallait que Tshisekedi a craqué. Batali Nengwana, Batali Tshisekedi Balobi, non, il n'ira pas loin. Mais surtout, nous tous, nous étions là. Tu as dit que l'FCC a juré que Tshisekedi est là pour un temps. Ils vont reprendre et bon en abandon. Nego yoka nzembo abalobi. Jikaka zonga na mbwende na yopse. Il y a une chanson là. Mais quand les choses ont changé, les gens ont commencé à monter des stratégies. Ce qui a poussé maintenant, d'abord, Kabila et Katumbi, de se dire ce qui toke ina horde yaboye, Tshisekedi va gagner. Il faut tous se réunir. Nous allons mettre nos énergies, nos moyens ensemble pour contraindre Tshisekedi à ne pas terminer le mandat. Ou même s'il va terminer le mandat, mais à l'écater dans l'élection Isoya. Chers amis, ce n'est pas pour rien que la réconciliation là, provoquée, réalisée par l'Église catholique, a pu avoir lieu dans le Katanga. Les enjeux et Zalaki élection. Ou soit, pas élection, passer au dialogue, mais avec deux forces ensemble, Katumbi et Kabila, ils sont basés à
Alors, ils se sont dit, nous allons utiliser d'abord nos moyens et après, contraindre Tshisekedi à craquer. Bonsoir, mon Katia, américain. Okomona, joueur Mokosoki, Kangye Kati. Azotom, la robot, tellement belle que j'abandonne. Mais Tshisekedi Félix, krakana maboko, krakana singana kingo, makolo balingi, loboko moko etikala ki abeta na maboko na nini. Si le lo, etikali deux mois toke na élection. Comprenez que ba piège, ba tout ce qui avait comme problème était autour ya Félix Tshisekedi, juste pour qu'il tape abeta na mabele que j'abandonne. Ya on avant na kaire moko te na rubi, dossier ya Félix Tshisekedi yo. Soit, si on a dans la milieu, il y a quoi, bah, nani, il y a vieux qui s'est dit, c'est Dieu. Chers amis, je peux vous évoquer tous les problèmes. Ce qui a ça, dans mon lit, il y a vieux Etienne, ils ont joué, dans le bureau, il y a Tata, oh, tu sais que des Félix, et Zanzambe, deux personnes. Vous savez, dernièrement, on m'a dit, bon, ça, c'est quelque chose. Mais combien de coups d'État annoncés ici? Combien de problèmes? La plupart organisés par côté Kabila, la plupart côté... Mais il y a quelqu'un qui jouait les jeux dans les Noirs qui s'appelle Moïse Katoumichapo. Et je le mets sur l'écran parce que je suis sûr de ce que je vous dis. L'homme... Voilà. Il y a trois personnes. Ah, Marambo, Lelo, Naibike, Marambo et Zamabe. Alors, pendant ce temps, l'Église catholique est d'accord avec les PPRD et Moïse Katumbi. Chers amis, vous vous rappelez que l'Église catholique a toujours travaillé dans le sens d'appuyer les pouvoirs passés, notamment Joseph Kabila Kabange. Et son épouse, Maman Olive Lembe Kabila, et Zaya Yakobo Mbate, Zaya Kobatamate. Je pense que vous vous rappellerez peut-être là-bas, la plupart des signes, puisque signe du temps, et peut s'arrêter message. Alors, dans ce cadre, l'Église catholique, si vous vous rappelez, quand les PPRD a commis une erreur de précipiter l'arrestation à Kabila et à Kamere, même si Kamere était plongé dans des bilocs, il y a des tournements, tout ça, bah, il faut se rendre compte que non, tout ça, les tout utiliser Kamere, nous allons avoir Tshisekedi facilement. C'était trop tard. L'Église catholique est allée chez Maman Olive Akei et pas moi ça Kamere. A Ebissier, appel à la prison, j'ai besoin de rencontrer ton mari, ton solo. Mais ngana Marie nga bosola la bien te. Aza na prison ba kangiye na batuna bino. Non, on doit parler. Moi si a caméra résisté ba kei église catholique non Kabila a kei sa église catholique. Nous avons besoin de discuter avec caméra. C'est pour la première fois dans mon histoire de ma vie de voir monseigneur délégation de l'église catholique na prison. Antoge tu es là un prisonnier, tout cela n'a été pas sa bénédiction, puisque ça fait longtemps que tu es là comme on en a. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors qu'il y a de milliers de prisonniers, oh, l'Église catholique, depuis Bakenda, c'était une urgence, que nous sommes prêts à tout offrir, question que tu sois avec nous, nous voulons combattre Tshisekedi, c'était trop tard. Babimi dans la même semaine, c'était Mouilanya. L'Église catholique a zonga ici, bah, okay, non? Tout est arrangé, vous pouvez aller voir. C'était Mouilanya avec toute sa délégation. Bakete la Kamel. Et Tshisekedi dans son coin était en train de les observer. Chers amis, tout ça, et dans la biloko, ils ont les gabisots trop renflés, tout est battu. Et maintenant, pendant que les choses évoluent de cette manière, bah, salipé, Église catholique, à l'obina, l'ina, tchabino, ensemble, pour constituer une force, puisque Fayoulouana a déjà tantôt plus tôt, Mouzito tantôt plus tôt, maintenant, les gens qui peuvent
Maître Tshisekedi mal à l'aise, c'est vous deux là, Kabila et Katumbi. Je souhaite vous mettre ensemble. Tout a été joué par Monseigneur Ambongo. Il utilise Monseigneur Fulgence Muteba et les forfaits. Bon, le théâtre s'est bien passé. Le réalisateur a réussi son coup. Mais l'herbazomona Tshisekedi toujours têtu. L'opposition représentée par Moïse Katumbi va solliciter l'Occident. Nabete Lakbino le solo avant-hier. L'Occident ne dort pas. Si tu dors ici, Tshisekedi risque de faire des élections. Et ni vous, ni Bissot, nous allons rater. Puisque position, il n'a pas l'air de reculer. L'Occident appelle Monseigneur Ambongo. Je ne souhaite pas parler de l'Église catholique. On pose la question à Monseigneur Ambongo. Pendant que j'ai préparé les thèmes que je voulais mettre sur l'écran, il y a mes sources qui m'appellent pour me montrer la carte. Nous avons failli ne pas avoir des élections en décembre 2023. Monseigneur Ambongo, on lui donne la carte. Toi, tu dois jouer et tu dois faire tout pour que les élections ne se passent pas. Chers amis, on m'a mis pression hier comme à Tanasukoyo. Pendant que quand on discutait de Kadima, marche Zalakate. Quand on discutait des lois, marche Tomonate. Quand on discutait de tout, marche Tomonate. Maintenant, l'Église catholique dit l'aide va pécher mission dans l'Occident. L'Occident, c'est l'Union européenne, sûrement. Que ça là, tout ce que vous pouvez faire à votre niveau pour ne pas avoir des élections en décembre. Azongi, il sait. Nenga Latara Tojoana Leki. Il sait qu'il a eu un mandat pour combattre ce qu'on appelle élection en RDC. Il le sait. C'est réellement Assemblée la Gandambe. Il le sait. Parce que Toko rappelé, na date, na heure, na place Réunion Basalela. Il vient utiliser Moïse Katumbi. Il retourne, il utilise tout le monde. Il utilise Kabila dans les Noirs. Kabila qui accepte à l'époque de s'associer dans l'opposition, Babi Masko opposition. Ça là, bloc patriotique. Tiens, le bloc ouan est panzanate. Je pense que ça y a béton. Nana kensa que ça y a ciment et au panzana. Et ça nan. Facilité par l'Église catholique. Bloc ouan est sili à Sangisibat. À Sangisibat. Donc, abanda d'abord. Non, bloc patriotique d'abord. Et sili, nakata bloc. Moutoyaka représenter Kabila. Et ça, Kabange, nani, ministre Kabange, ex-ministre de la Santé. Et simité. Le secrétaire général, il y a Moïse Katumbi. Azalakiwana, na, Devos Kitoko, secrétaire général, il y a Lamuka. L'Église catholique n'était pas convaincue. Alors, si nous voulons aborder un combat aussi grand comme Toyeb Tshisekedi, Totelem Tshisekedi, Bino Kabila na Katumbi, vous devez être ensemble. Parce que je vais avoir besoin, il y a Mbongo Bozanam. Alors, il organise maintenant. Nini, réconciliation, fameuse réconciliation. Bah, image, bah, photo, Eza, je peux vous parler, je vous mets tout, mais, bilogo moussousou, Eza, nan, tozo, zela, bah, tika nan, candidature. Tok, bah, tiki, bah, déposer, bah, tout candidature, posez-moi la question, honoré, bimisesko, bah, soukoui. Bah, wana, Eza, bah, soukoui, 25, 35, 45, j'ai même des soukoui 50. J'ai même des soukoui 50. Alors, maintenant, le problème, les hommes s'organisent. Katumbi prend la mission de voir, de rediscuter avec l'Occident. Maintenant, malgré Makambutu Tosali, wana siko batiba komiti nasuka ya sitin na bango ya suka. Décision est là que Katumbi a kokende Kinshasa avant de la Kinshasa. Pression sur Kinshasa, tu sais qu'il va lâcher. Yango mona Katumbi. Abimisa na ba valise na ina Lubumbashi. Aye ko vanda na Kinshasa. Lelo pression, lobby presse, point de presse, lobby kuna sitine, lelo marche. C'est comme ça qu'ils s'étaient entendus. Mais ils ont constaté que les Kinois ne leur avaient pas donné la chance d'aller loin. Mais au moins, si ba palanga na songi, ba yakinde la moko me bazongi. Ainsi dit la Bible, c'est pas moi. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Alors, maintenant,
l'air siko baye. Et les choses n'ont pas marché comme Ndenga Basalaki Yango. Il signe maintenant un dernier accord. Entendement na bango, malgré que Balinga Koufer fuitete, mais nous, nous avons tous les détails. Ils prennent trois approches pour contraindre Félix Tshisekedi à ne pas organiser des élections en décembre. L'approche Aliboso, pression de la communauté internationale sur Félix Tshisekedi. Regarde, les choses ne sont pas exabientées, il y a de frustration de gauche à droite, et semble-t-il, Kadiman n'organise pas bien les choses. Est-ce que nous pouvons prendre un temps de nous organiser ensemble et de parler comme des frères et sœurs et en même temps, tôt organiser l'élection, Anna, c'est toi qui seras toujours président. Mais on peut voir ça d'une autre manière. C'est ça la stratégie, pression de la communauté internationale. Deuxième, prévoir, donc on a trois approches, prévoir les élections. Mais au cas où les élections auront lieu, prévoir les élections et les gagner. Ça, c'est la deuxième approche. Prévoir les élections au cas où Tshisekedi s'entêtera, mais organiser, les laisser organiser des élections, mais nous, nous allons les gagner. Et troisième, brandir la carte, il y a sécurité. Na deuxième point, na premier point, il y a pression sur Tshisekedi. La communauté internationale a joué son rôle. Quel appel Tshisekedi n'a pas eu de ce monde, lui demandant de freiner avec les élections. Et là, les témoins sur place, c'est l'Église catholique qui identifie tous les petits problèmes et que ça, la communauté internationale a raison, il y a qu'à freiner l'élection en RDC. Chers amis, les choses ont été très bien organisées et si nous allons avoir des élections en RDC, seul Dieu. Chers amis, la communauté internationale, tous les pays ensemble mélangés, qui n'a pas fait l'appel en RDC pour demander à Tshisekedi de ne pas arrêter des élections, de ne pas organiser des élections. Yosa, t'es-tu? On te dit les choses ne sont pas bien organisées. On te dit. Kadima organise mal les choses. Mais ils n'ont pas vraiment d'arguments solides. Oyekolaxa que Kadima n'a pas bien organisé les choses. Puisque ces élections, Kobandanano avant loi, si et si Katokomi, tous les acteurs là sont impliqués. Katumbi n'a pas député, n'a yesu qui 60 combien, n'a parlement, ils ont voté, ils ont débattu, tout. Ils ont installé Kadima, ils ont tout. Maintenant, Kadima devient mauvais quand il s'agit d'annoncer les trucs. Alors, la deuxième chose, qui est l'approche de les laisser organiser des élections, mais les gagner, c'est ici où l'homme a mis tous ses moyens possibles en jeu. Moïse Katumbi Abimi Simbongo. On a acheté tous les hackers du monde, tous les spécialistes en Yako Tripoté Makambouya sur le plan informatique. Na Betelabino Nisolo Nalobi. Si vous ne tirez pas beaucoup d'attention, il y a peut-être 6 mois, notre serveur des élections va être pris, va être contrôlé ailleurs. Ça doit être au Rwanda ou ailleurs. Rappelez-vous, chers amis. Et Lélo me confirme que tous les spécialistes en informatique sont payés même déjà à Sibazumbo Onabango. Le problème, prendre les contrôles de notre serveur. Mais dites merci à Dieu. Il y a un individu, je ne le cite pas ici, Lélo, il y a un individu qui a découvert tout ça et qui nous a dit, Bobiki, voici la liste de gens. Voici Mbongo Bapesi. Il y a même des hackers, de fraudeurs informatiques achetés ici aux États-Unis. Naïta et à Kansas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Moussala Nabango, prendre le contrôle. D'ailleurs, quand on a un rôle, on a un ministre, tout le temps, on a un bulletin, il y a un mot qui est mis. Comme ça, on a un bimi et qu'il n'y a pas. Les gens ont été achetés. Les spécialistes pour prendre le contrôle de notre serveur
et ce sont eux qui vont tripoter les résultats et les annoncer de leur manière. Ça sera la CENI. Mais bah, vous comprendre comment les choses changent en ligne. Alors, c'est vraiment diabolique, les plans diaboliques au Ezakabo, au Pendant Satan. Les gens là, ils sont prêts à commencer le travail, mais il y a un individu. Dieu me voit, je ne peux pas les citer. Je vais les citer même en janvier 2021. Qui a appelé la RDC? Venez voir la situation. Talabo. Honoré, Zoa Matière. Il y a des Congolais que la RDC travaille. Autre chose, parmi les gens qui nous ont sauvés, Réunion et Salimina Brix, en Afrique du Sud, il y a deux semaines. Une des raisons aussi qui nous a sauvés, cette réunion-là. Vous avez vu une délégation venir bloquer le président de la République à Kinshasa, ne sort pas, ne va pas en Afrique du Sud. Il a délégué le premier ministre, Yokende en Afrique du Sud, cette réunion-là, BRICS-là, nous a aidés. Est-ce que vous pouvez revoir la situation du président brésilien? Du premier ministre. RDC a mis la réunion, ni pour, ni contre, mais il y a beaucoup d'enjeux. Où est-ce que RDC l'élo, Tobi Matoloba, on a failli ne pas organiser des élections en 2023. Volé, maintenant, ils ont annoncé, ils sont en train de trouver une autre stratégie, puisque la stratégie de prendre le contrôle de notre serveur est. Et c'est Bimi Nango, donc ils ont sous-touté. Et aussi, puisque la RDC, sont en train, la RDC et d'autres institutions impliquées sont en train de prendre des dispositions. Selon ma instruction, il y a Moutou Moko à son ibis. L'Église catholique, non. L'Union européenne dépêche Didier Andes Ndenga Yaki. Ils veulent maintenant soutenir l'Église catholique de son coin. Côté à Katumbi, ils ont simalé sous-touté. Parce que Toyebi a annoncé Yango déjà. Côté à Katumbi, avec tous les nombres de. En anglais, on les appelle les hackers. Comment on l'appelle? Est-ce qu'il y a une bonne appellation en français? Qui peut me dire quelque chose en français? Les hackers. Comment on les appelle en français? Les cyber criminels, quoi. Peut-être, ça peut être quelque chose comme ça. Batoyo, qui peuvent tout atteindre l'ordinateur, se protéger des quota, baby, ça va donner tout ça. Il y a des spécialistes ici, des pirates, voilà. Les anarcheurs, oui, voilà, c'est un peu ça. Équipe, il y a Moïse Katumbi payé. Ça ne marchera plus. Puisque la RDC, Naminitoyo, ce matin, est au courant de ça, ils sont en train de prendre des dispositions. Nabike Biloko Boy Bato Andeko Bandeko Moïse Katumba Lingout. Mais bon, toujours le Belatoza, période de la campagne, Montoyo Saïbi que vous ayez un droit de réponse, et ceux qui n'ont pas de réponse, ma preuve. Alors, la troisième des choses était la dimension, bon, côté Union européenne maintenant, ils veulent soutenir l'Église catholique. Chers amis, je reçois une confidence d'une amie qui travaille proche de l'Union européenne. Et la personne me confirme que l'Union européenne a décidé de débloquer un montant important qui va être peut-être dans, si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine, donné à l'Église catholique pour former des témoins. Il y aura des témoins cette année ici. Martin Fayoul a le bac qui descend 260 000 élection passée. Cette année, peut-être c'est 500 000 ou 1 million de témoins. Puisque c'est lui qui va payer les témoins pour l'Église catholique, c'est l'Union européenne. L'argent va être débloqué cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est ce qui permettra à l'Église catholique maintenant, de son coin, de publier les résultats avec son serveur propre. L'Église catholique va vous montrer. Vous verrez qu'il y aura un point de presse. On va vous présenter tous les témoins formés. Nous en avons formé 5 000.
Ils seront déployés à travers le monde et nous aurons des PV et qui nous permettront, dans les 48 heures où ils ont l'an d'élection, nous allons publier les résultats. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que et quand vous allez voir l'annonce de l'Union européenne sur les élections au Congo, vous direz que Honoré Aza peut-être Ndoki. Alors, ça, c'est l'aspect élection ici. Toke n'est pas élection, nous allons publier des élections et leur vote là va publier, va programmer un opposant. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui sera programmé par l'Église catholique. Détrompez-vous. Tout ça, c'est pour prendre quelqu'un de l'opposant. De l'opposition, les publier. Et là, je pense peut-être que ça sera Dr Mukwege, qui n'a même pas encore déposé la candidature, mais je sais qu'il va déposer. Et puis, entre Dr Mukwege, Moïse Katumbi, il y a quelqu'un d'autre qu'on utilise. Il y a même l'autre Mutamba ici, que j'ai suivi même dans Masolwana, Mutamba qui sera candidat, il va déposer. Mais Mutamba, c'est lui qui les finance. Bon, on a eu la campagne, c'est Joseph Kabila qui les donne. Nathan Akakombo n'a été. Natangye, puisque Lelo, il était sur ma liste, il y a Masolondenge Nazoué les rapports. Donc Mutamba va vous tenir des discours, Tokoboma Rwanda, puisqu'il sait qu'un tel discours les rapproche des Congolais. Cette fois-ci, bah, il dit que c'est le Rwanda notre problème. Il va vous amener un tel discours. Bisona Rwanda, Ngana Kozalabona Rwanda, donnez-moi les votes. Et, mais c'est Joseph Kabila qui, d'après tous les témoignages que nous avons, n'est autre que Paul Kagame, qui est du Rwanda. Donc, Mutamba qui viendra, Mutamba, je cite Mutamba. Soyez prudents, il ne vient pas pour sauver la RDC, il vient avec un plan, puisque moi, on a eu place Zobima. Si on a Zobima, on a Landel. Si on a eu Sabino, peut-être, voici mon wangu ya Mutamba et Bimi. Alors, la dernière cartouche, c'est de créer de l'insécurité, amplifier l'insécurité. Et avec l'insécurité, l'Occident devrait demander à Tshisekedi, mais toi, apaise-toi, non? Avec tout ce qui se passe dans les pays, tu t'accroches aux élections. Notamment utiliser certains pays voisins et amplifier l'insécurité dans l'Est. C'est comme ça que vous avez vu les Wazalendo, les procès, il y a les Wazalendo, entre guillemets, de Goma est en cours, mais Nakatwana, les généraux, les colonels. Espoir, ou comment il s'appelle encore? Il a déclaré que nous avions des informations que cette marche, c'est une marche organisée par les M23 et les faux Wazalendo. Il y a un on a le bibouz à la prudence. Comment marche Salemi Nabutu, Natongo de publication à Kigali, on est en train de tuer les FARDC sont allés tuer de manière sélective les Banyarwanda. Qui les appelle les Banyamouleng. Dans la question, on a Twitter, on a dit, soyons prudents. Soyons prudents. Mais Lelo, vous avez suivi le procès, peut-être pour le procès dans la chaîne Abisso après mon émission. Le colonel dit que des informations à notre disposition faisaient état du M23 qui co-organisait cette marche na Wazalendo. Alors, si notre service de renseignement dit ça, de quel droit toi tu vas me demander de refuser ça? Puisque nous n'avons que ce service. Bako, ça va la vérité. C'est ce service que nous avons. Nous n'allons pas prendre le FBI aux États-Unis à travailler en lieu et place des Congolais là-bas. Oh, il y a Sabino Ndeya bien, il y a bien. Oh, il y a Bisso Ndeya Lukuta. Mais le matin, moi, j'ai dit attention, il y aura quelque chose qui va sortir dans ces tueries-là. On nous dit, puisque les Nakangisi, les FARDC ont tué la nuit, 40, 50 Banyarwanda, ainsi de suite. Non, il s'agissait de Wazalendo qui marchait. Non, ce n'est pas de Wazalendo, les Banyarwanda. Publié sur leur compte Twitter. Je vous ai dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Sauf que Bolandi Karanon, les médias qui sont ici, vous êtes en train de travailler pour les Rwandais sans les savoir. Lelo, Nayoki, que voici des preuves. Les M23 a co-organisé cette marche-là. Peut-être qu'il devrait déboucher sur quelque chose d'autre. Nalakisabino Imaja, les Rwandais ont envoyé des recruteurs Nakatia, Massi, Naba territoire Nyons, créer d'autres Wazalendo, protecteurs des terres, de leurs terres, mais base à la contre les M23. Mais au moment venu, vous serez ensemble pour une cause qui est la cause rwandaise.
en RDC. Il est venu envoyé spécial pour recruter et faire des Wazalendo. Alors maintenant, tellement que confusion est côté Naki Wazalendo, est-ce que Nazaki est recruté par les Wazalendo de l'autre côté ou les Wazalendo de la RDC? Mais je pense que Yangaï qui Wazalendo est à Congo. Puisque, bon, on a dit que c'est puisque, donc, en tout cas, moi, je suis le vrai. Donc, je suis le front, je suis piraté, je suis le même sang dans les soucis de créer des désordres. Et puis, il y a des gens qui ont été organisés l'élection, il y a des désordres. C'était une troisième approche de la stratégie à l'insécurité. Voilà, aujourd'hui, il y a des Sud-Soudan, un rebelle, mon sous-soit rebelle éthiopien, un dissident éthiopien. Azobima que Abima, avec ce mouvement, il était tout de suite maîtrisé par les FARDC. Tout ça, c'est un plan pour que la partie Est, comme hasard, n'a pas électeur rebellé, le président Tshisekedi n'est pas légitime, puisqu'une bonne partie de la province, non, de la RDC, va voter pour Nayete, on remet à cause de son élection. Mais il y a que dans la politique de Tshisekedi, après les élections ici, je pense que Moto est copé là. J'ai vu des publications dans Rwanda, Bazosenga, dans Paul Kagame, que arrête la guerre avec arrête de provoquer la RDC, puisque après les élections, information n'est pas dans Bango Isaac, la RDC va les attaquer. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent avoir raison, puisque Tshisekedi va agir en toute légalité, toute légitimité, pour mettre hors d'état de nuire tout celui à Rosala Sogindeyin. Donc, deuxième mandat, Monisco, Barozala déjà va se faire, force régionale, Barozala déjà va se faire, terrain et Tikalibisomi Bana Rwanda. Imaginez-vous la suite. Terrain et Tikalibisomi Bana Rwanda. Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, chers amis. Je voudrais ici vous signaler que BRICS est Sungibiso, mais il y a aussi un individu qui nous a aidés. Et puis, Nakata BRICS, il y a eu un problème via Sassou, Moutorocha Yezo, le hasard a quitté. Bache Yekate. Parce que Monique, il joue un jeu d'une manière ou d'une autre contre la RDC. Ça, c'est, je vais développer ça prochainement. Via Sassou, Azoaki, laissons naïe. Mais dossier na Isaac na Mesa que il joue un jeu Yamabe. Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Naïb Sabino que nous sommes toujours dans la défense de la République. Oui ayebi que na salier Mabe na makamona lobby a sepeli na ngote. La meilleure des choses peut-être à faire c'est à recevoir ce qu'on doit singa comme idiembi. Mais tout ce que je dis, bobenga bande ko na bino bazana ba ministère, bazana service de sécurité, bazana la muka, bazana ensemble pour la République, ils vous diront peut-être 60% sur bazana volonté en boka. Ya magamba otunalo. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors merci beaucoup. Moi je suis Wazalendo, merci. Je suis le vrai Wazalendo donc baron bazana tenue ngana zana micro. Bazana arme ngana zana micro. Bazana tenue ngana zana veste. Nous faisons tous le même travail. Et puis Fati wana Wazalendo. Fati vrai Wazalendo. Est-ce que vous avez une signification ya Wazalendo? Fati vrai Wazalendo. Maman Denise Nyakero, vrai Wazalendo. Le vrai. Ce n'est pas où il y a le Kutao Kagama Zoya Kosala Nagoma. Ngai vrai Wazalendo. Général Chiwewe, vrai Wazalendo. Parce que yende mutazo kanga John Nombi d'ici là. Aokanga yena mabo. John Nombi a sali a yeli boulou déjà. Donc on va en parler peut-être demain. Alors merci beaucoup. Je vous aime bien puisque vous aussi vous aimez bien cette émission. Nous étions à peu près 7450 là Tokiti. Est-ce que vous pouvez avant de quitter nous faire moi quelque chose comme ça. Moi un like. Vous pouvez faire une émission quoi. Vous pouvez faire la munition. Munition, ils ont toujours arrosé. Bilangana, vous pouvez faire la c'est ça. Donc, vous pouvez faire la munition. Alors, mais ce que je peux vous demander est que, dans le cas où
qui m'ont choisi, qui m'ont mandaté pour aller dire tout ça dans le Parlement. Numéro Yangwana, élection HK, plus 1, 469. 469, 23, 76, 453. Écrivez seulement, moi, monsieur Tel, je vous écris depuis peut-être telle ville, je voudrais accompagner, honorer au Parlement avec ça, contactez-moi. Comme ça, chaque semaine, Bappé s'habille sur moi, situation, toi et Barré, où est-ce que nous sommes en train de partir? Je vous aime bien, que mon Dieu vous bénisse. Après ça, vino ma coquille, bocha bisopoa, pour défendre Mboka, Ndenge Sengeli et à. Alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain, mais n'oubliez pas de protéger, de défendre là où vous êtes, protéger la République démocratique du Congo dans toutes ses facettes, protéger le président de la RDC, protéger cette émission. Et protéger les présentateurs de l'émission. Nazo kaba ba Rwandais moko bazawa. Parce qu'il n'y a que les Rwandais qui peuvent tenir ce genre de discours. Alors, est-ce que les Congolais vraiment ou vrai Ouazanais, les défenseurs de la patrie, jamais ça. Alors, je vous aime bien, que vous soyez Kadamistan, que vous soyez Congolais, je vous aime bien parce que le message est passé. Alors, à demain pour le prochain numéro, chers amis, et bonne soirée chez vous, bon début de semaine. À demain. Plongez dans l'univers incroyable de Bêtajeux. Bêtajeux, c'est bien plus qu'une simple plateforme ludique. Bêtajeux, c'est une expérience unique qui vous permet de valoriser vos relations afin de décrocher la victoire. Le but du jeu est simple, récolter un maximum de votes en présentant une raison de jouer convaincante, incitant les joueurs à voter pour vous ou en invitant le plus d'amis à vous rejoindre dans la partie. Vous l'aurez compris, ce jeu pour partenaires régale les plus populaires d'entre vous. N'attendez plus, défiez vos concurrents en décrochant le plus de votes et vous serez encensé. Chaque partie gagnée, c'est de l'argent empoché. Comment participer? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire sur notre site www.betajeux.com, de payer le prix du jeu. Chaque euro ou dollar investi dans le jeu est un euro ou dollar redistribué aux gagnants de la partie. Une fois inscrit, il ne vous reste qu'à sélectionner votre raison de jouer et à commencer la partie. Pour plus de fun, partagez Bêtajeux sur les réseaux sociaux. www.bêtajeux.com. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en RD Congo. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, bo mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances, nazanga esika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tili bambongo na ngai epai ya oncle Chimfundu, leki ya maman na ngai.
Depuis, on a fait ça qui est 15 000 dollars. Mais bah, il y a un place qui est moins cher. Bon, il y a le bargaining. C'est le permis. Moi, ils ont dit que c'est le misat. Moi, je suis tonton du fondo, papa du fondo. Oncle du fondo. Il y a le bargaining. Mouke, ils ont mouke. Non, on va tout matin. Nazongi qui s'assa. Ndako et mounanate. A ta terre et à pamba na mounate. Nokotin fondo, à Belinga et moi. Alors, tant que Kanda et Matinga et Penina Kangisa, nokotin fondo. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de 300 dollars par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Komi, propriétaire ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bisonios Fungola Namaboko, Bangololopa. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nelson Yanzila, Coco Yasuka Moka, Ashka Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques, Bamamana Este, Bobatelama, Bobatelama, Nanzamebo. Shama motema pasie bana buna kana e zambe alola abatela bino zambe ostan dima beta 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 matuza beta matuza e efarte se l'équipe en casse la police nationale mama yo yo Mama Christian Chiwewe Le Jene Jene Patriotic Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Suba kanisa kazoto eza kotonga Boye baka lokuta Ebo makazoto Nanaleli yo bolingo ya papa ye Papa Batela zoto ye Yangu ezali tepelo ya molimo Molimo monsantu ye Sanjoli, ezonga na yo zakoma.
Alléluia, Nzambe na Congo, Nzambe na nguya e, atonda na bolingo. Yonde mosatu heto kumisio, moko na Congo, atonda bolingo. Mwana na Nzambe, obongi na kemo. Tu es malheureux,